Et salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien, on se retrouve sur Xbox One, donc pour le nouveau jeu Assassin's Creed Syndicate. Oui, je viens de l'acheter, occasion. Et du coup je vais faire une vidéo dessus et je vous promets de faire plusieurs vidéos dessus. J'espère aimer la vidéo découverte. Donc voilà, le jeu il est sur PS4, Xbox One et je sais pas s'il est sur d'autres consoles ou sur PC, je ne sais pas du tout. Donc il y a des choses que je voulais laisser, je peux parler quand il y a des petits passages. Le passé est votre terrain de jeu. Donc du coup voilà, donc j'espère que ça va vous plaire quand même. Je le connais pas du tout, je sais juste qu'il est à Londres. Il paraît il est pas mal, parce que je connais du nom et du coup on m'a dit qu'il était pas mal. Du coup voilà, je voulais prendre Black Ops 3 mais il était un peu trop cher pour moi. Voilà, bon. Je voulais regarder tranquillement la vidéo. Le département de recherche historique d'Abstergo a lancé de nouveaux projets à Londres. Et nous savons tous les deux que lorsqu'Abstergo se manifeste, les Templiers ne sont jamais loin. Nous pensons qu'ils sont sur la piste d'un autre fragment d'Éden. Mes agents à Londres sont déjà sur sa piste. Bishop, Jacob et Evie Fry sont jumeaux. Incroyable, non? Quand on parle du loup, allume tes caméras, Bex. Je reçois une image. Quand allez-vous livrer le colis? C'est parti. Il y a beaucoup de données. Je mets les initiés sur le coup. T'as l'air bizarre avec une arme. Je suis sûre que ce petit mouchard aura beaucoup à nous dire. J'ai quelque chose. Isabelle Ardan a une réunion ici dans quelques heures. Ça dit pas avec qui. Ça t'étonne, Rebecca? Je sais à qui on va demander de dénicher cette info. Calmez-vous. La mission a été d'extraire des données afin de trouver un fragment d'Éden. C'est fait. Maintenant, j'ai vraiment hâte d'essayer ce nouveau truc. Je n'aime pas vraiment les voir improviser, ces deux-là. On n'a plus le choix maintenant. Il faut foncer. Tu vas chercher le fragment d'Éden en explorant les vies de Jacob et d'Evie Fry, des assassins jumeaux de l'époque victorienne. Ton premier groupe de mémoire génétique est téléchargé. Merci. Bonne chance. Dites-moi en commentaire si ça vous gêne ou pas les sous-titres. Frère George, comme je le craignais... Ou pas. Londres est tombée. Trois fois je vous ai écrit implorant votre aide. Trois fois vous m'avez ignoré. Mais je reprends la plume. Quand je suis désespéré et à court de solutions. J'ai besoin de vous. Londres a besoin de vous. Vous allez me dire que la tâche est trop vaste, que le temps n'est pas encore venu de frapper. Vous opterez pour la patience. Mais pendant que vous attendez, les Templiers se renforcent. Ils ont nommé un grand maître si rigoureux, si implacable, que l'on croirait Reginald Birch revenu d'entre les morts. Il s'appelle Crawford Starrick. Et son ambition est de diriger le monde. Il a étendu son emprise sur la société tout entière. Rien ni personne ne lui échappe. Le jour, ce sont les marchands corrompus et les politiciens véreux qui gouvernent. La nuit, les Blighters, une bande de féroces criminels, fait régner la terreur dans le cœur des citoyens. Son venin s'est répandu dans toutes les activités du commerce. Il s'est tiré profit de chacun. Par la tromperie ou par la force. Je crains fort que notre ennemi ne vise la plus haute de toutes les fonctions. Tandis que vous vous repliez sur vous-même, sur vos peurs, Crawford Starrick convoite déjà autre chose. Ses royaumes et ses continents qui restent à conquérir. Mais plus pour longtemps. Car le chef de l'ordre des Templiers a bien compris ce que je ne cesse de vous répéter depuis de nombreuses années. Celui qui prend le contrôle de Londres prend le contrôle du monde. Le fer part d'ici. Notre première cible est le patron, un templier du nom de Rupert Ferris.
La seconde est Sir David Brewster. Il a mis la main sur une babiole qui pourrait nous faire perdre cette maudite guerre. Vous croyez que vous serez à la hauteur? À ton avis, George. Bien entendu. Où ai-je la tête? Mesdames et messieurs, les irrésistibles jumeaux Fry. Sur scène tous les soirs à Covent Garden. George, honnêtement, j'ai étudié les plans du laboratoire et j'en connais les issues. Moi, j'ai de me faux. Apportez-y un. Je transmettrai tes amitiés à Ferris. Le temps presse, George. On a un train à prendre. Jacob! Ivy! Que le credo vous guide, bande de canailles! Le pauvre homme, il en crève de peur. Il ne s'arrange pas avec le temps. Ivy Fry, d'où vient cette insolence? Disons que cette famille, Jacob. Sois prudent. Oh, ça commence à être long un peu. Ça va commencer, je pense. Tout le monde, j'espère. Mais je regarde juste si on peut changer. Combien de temps va-t-il hurler comme ça? Non, on peut pas. Il perturbe les autres ouvriers. Faites le taire et réparez cette satanée machine. Et qu'on m'envoie du laudanum pour ma tête. À votre service. Donc voilà, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Donc c'est bon, on peut prendre. J'ai toujours du mal encore avec les boutons. Donc on va visiter, on va regarder un peu, on va m'appuyer. Je sais pas si je peux tuer du monde. Ok, on va aller là-bas. Donc du coup ça change vraiment de troll Assassin's Creed. Fermé. Qu'est-ce que tu fous ici, toi? Va-t'en, tu vas le regretter. Personne n'entre ni ne sort, sauf s'il y a un problème. Si j'arrête les machines, cette porte se ouvrira. Bon, j'arrête dire tous les boulots, je change pas, c'est toujours pareil. Et j'ai toujours du mal de faire une tour de Xbox. Ça peut se comprendre d'un côté, j'ai envie de vous dire. Donc, il faut savoir improviser. Ok. D'accord. Ça fait des machines. Donc, vous voulez juste savoir, est-ce que c'est le même personnage qu'on va avoir dans le jeu, ou est-ce que ça change de personnage? Donc au bout de 2 ans, comme vous savez, c'était le plus grand personnage qu'on va avoir. Oui, il y en a plusieurs. On peut incarner plusieurs personnages ou pas, je ne sais pas du tout, je peux pas vous dire. Je peux pas vous poser la question. Que se passe-t-il? Lequel de vous est responsable de ça? C'est pas... Feu! Okay, l'inspection sanitaire. Cet homme est mort. C'est toi qui vas mourir. Passe ton chemin, gamin. Tu vas me faire arracher les bras. Merde, mais... Je suis là. Ça va changer. Je sais pas si c'était marqué quoi. V pour se contrer, je pense. Une attaque contrée, une attaque levée. Merde. Attends. Dernière volonté. Ça peut être comme ça. Ça. Ah
déjà on peut porter le corps, ça c'est un truc que j'adore. Ça c'est un truc que j'adore parce qu'on peut porter le corps. Et que je crois dans Unity on pouvait pas porter le corps, je ne sais plus. Je n'ai pas fini vraiment le jeu donc du coup voilà. Mais comme là on est sur le nouveau, bah je voulais vous le faire en vidéo. Si au moins ça change de vidéo sur la chaîne. Et comme ça bah, vous êtes content et moi aussi. J'adore vraiment Assassin's Creed. Il est temps de prendre de l'arbre. Voilà. Donc vous inquiétez pas, je connais pas du tout le jeu, donc je suis juste les points verts où ils nous disent où il faut aller. J'ai pas fait une vidéo trop longue. Alors, d'accord, il fallait là-bas. Alors, on a fait comment? Est-ce qu'on peut sauter? Ah, attendez, je sais pas du tout ce qu'on peut faire. Maintenir RT. Ouais. Il faut... D'accord. D'accord, ok, je peux sauter du tout. Voilà, vous avez vu, j'apprends des choses. Ah ça fait un peu comme pareil, si on est recherché par un garde, ça change pas en fait. On peut en lier à la position comme dans l'autre Assassin's Creed. Les triangles, je sais pas quoi ça dire. Hop, la petite piqûre. Il veut pas ouvrir. Attendez, je vais m'attaquer là. Voilà. Voilà, ça t'a fait du bouillon. Donc, j'ai pas fait une vidéo non plus qui gère tout le monde parce que bah, après ça peut être lassant pour vous. Là, c'est juste la première vidéo découverte. Il y a plusieurs parties. Bien sûr. Parce que c'est un peu normal. Ok. D'accord. Vous avez rien vu lui non plus. Putain, c'est chaud. Il y a même des gamins. Ok, il y en a un là. Putain, je voulais pas qu'il me voie. Range-moi ça, toi. Voilà, ça c'est fait, mon. Oui, moi. Mais attendez, il y a un truc que je veux faire. Ouais, je sais que je suis dégueulasse. Ah merde, je voulais faire une tentative de suicide, elle lançait. Le son, c'est un peu dommage, il est un peu bien fait, oui, non. Comparé à l'autre Assassin's Creed. Parce que l'autre, vous avez vu qu'on se battait avec les gardes, bah, c'était plus facile. Voilà, il fallait le... Il faut le localiser et assigner. Putain, ça se bagarre là-dedans. Donc on va le localiser et le tuer. On peut pas sortir par là. C'est pas grave, il y a toujours une porte. Pourquoi pas, ça va plus vite pour se balader. J'ai envie de vous dire.
Donc désolé si je parle pas trop, en fait j'essaie de me concentrer dessus bien sûr. Et oui, j'essaie de me concentrer. Parce que je connais pas et du coup bah, j'ai pas envie de faire des conneries, mourir et recommencer un peu tout à zéro. Alors désolé si ça bug un peu. Parce que plus que la vidéo est longue, plus ça coupe. On a retrouvé le frein de Sherlock Holmes. Donc j'ai vu en mode gentil ou en mode... D'accord. Je suis impatient de négocier avec vous, monsieur Ferris. Ah, j'ai envie de vous dire, moi chez moi on me dit bonjour quand j'arrive quelque part. On n'arrive pas comme ça à me dire qu'est-ce que tu fais ici. Faut être poli dans la vie les gens. Oh, oh c'est grand. Je sais même pas où on peut pousser. Bon lui je vais mettre une pâtée dans la gueule. Putain il y avait du monde, j'ai pas vu. Oh le gros là-bas il va être dur à tuer. Ah, il y a eu un petit souci. Il va avoir un... Je viens de voir, ça a bugué. Pas trop méchant, ça va. Wow, c'est chaud. Wow, maman. Bah, heureusement pour toi, tu me joues. Je sais pas s'ils peuvent monter ou pas. J'ai plus de vie. Et hop là. Bidou. Je vais dire bidou. Tu rôdes dans l'ombre, tel un croix. Tu échoues. Désolé, je viens de faire une petite coupure, ça avait... Que ça avait bugué, donc vraiment désolé. Mais bon, on n'a pas vu vraiment la fin. Quand j'ai retiré le truc du corps du mec, je crois, je sais plus, j'ai pas trop fait gaffe. Parce qu'en fait, je regardais mon Avarmedia qui avait bugué. Donc, vraiment désolé pour le petit bug. J'espère juste que ça vous plaît. Parce que bah, j'espère que ça va vraiment vous plaire. J'espère que c'est pas trop long non plus. Mais c'est le but d'une vidéo découverte. Et après, bah, même si ça vous êtes pas trop fan, et voilà, j'en ferai un doute quand même. Je vais faire un doute la suite des épisodes. Parce que voilà, ça peut changer. Donc, ah, faut que je monte la vue. Ouais, pourquoi il veut pas? Ah, c'est quoi, ah, voilà. Ah, là, tranquillement, on y va. Oh, lui, il est doux, ici. Vous avez descendu le train. Putain, il est doux. On va juste courir. Faut éviter les avoirs. Ah, c'est celui de Rouy.
Hop, c'est fait. Vraiment désolé, ça frise un peu, je l'entends avec le son de l'ordinateur parce que bah, j'ai coupé le son de la télé et je l'entends. Ça frise un peu. Alors, on se sent plus d'attaque. Je sais pas si vous entendez le bruit du son, ça a grisé un peu, donc vraiment, vraiment, vraiment désolé les gens. Bon, ça c'est pas bon. Oh putain. Bah super ton arrêt. Ah faut que je descende en plus. Pourquoi pas comme ça va plus vite hein. On va aller jusque là-bas et après on va faire une petite On va voir qu'est-ce qui va nous arriver parce que c'est vraiment un peu une petite donc je suis vraiment désolé. Et bon. La prochaine fois j'irai à pied. Bah pourquoi pas. C'est mieux à faire. Bon bah du coup voilà on est arrivé à la première partie. On a réussi la première mission, donc c'était un peu simple, j'ai envie de vous dire, c'est le début, voilà. J'espère juste que ça vous plaît. On va juste faire continuer. Mais voilà, dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou pas, et moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Salut!